Approchez, mesdames, approchez, messieurs. Je vais vous montrer un tour merveilleux. Je jongle avec ces 8 boules. Ah, pour moi, ce n'est vraiment qu'un jeu. Salut. Donc, alors pour canalmoi.net, on va suivre le président de la République aujourd'hui. Hein, donc, on a eu notre petite accréditation. Donc c'est parti, on va avec toute la presse du monde entier apparemment, hein, toute la presse du monde entier dans les petits bus qui vont nous emmener jusque derrière le petit président et tout ça. Allez, on y va. Et c'est parti, Canal Moins embarque dans le bus avec tous les journalistes de Marianne, Le Monde, iTélé, LCI, France Télévisions, Le Parisien, etc., etc. Et pour faire au moins 800 mètres du théâtre jusqu'à l'école, il fallait bien au moins 3 bus rien que pour la presse. Donc c'est parti, on vient de descendre du bus, donc on arrive à l'école de la cité, hein, avec tous les journalistes de tout le monde entier, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Donc c'est parti, on va attendre monsieur le président de la République, sa sainteté. Française. République française, s'il vous plaît. Et à son arrivée, la rockstar internationale Nicolas Sarkozy ne peut s'empêcher de signer des autographes et serrer des mains. Nous, nous avons trouvé le fan absolu de Nicolas Sarkozy, il s'appelle Loulou. Il mérite d'être épaulé, et je l'ai dit à Xavier, mon ami, là, hein, parce qu'il est très bien épaulé ici. Mais le défigurer comme vous faites, ça n'a jamais été un trait. Hier, j'ai téléphoné à Arlette Chabot, je lui ai dit, c'est inadmissible, inadmissible que... Vous avez vu Arlette Chabot au téléphone? Bon, on va passer le truc, ils ne l'ont jamais passé parce qu'ils avaient honte. Ah. Traiter Sarkozy de traître, ben vous êtes des malhonnêtes. Qu'on se le dise. Intellectuellement, vous êtes des malhonnêtes. Qu'on se le redise. Pendant que ces malhonnêtes de journalistes jouent des coudes pour rentrer dans l'école avec Nicolas Sarkozy, nous, à Canal Moins, on règle un problème beaucoup plus important. On a trouvé le sniper. Il est armé d'un téléphone portable. Les agents de sécurité ne l'ont pas encore vu. Allez, rends les gosses au moins, rends les gosses. Libère un gosse, libère les enfants. Fais pas le con, René. Fais pas le con. Je te jure, t'auras la R8 avec le plein d'essence et des déclassables du boulot de désastre. D'où ? Bien, l'otage a demandé une R12 avec le plein d'essence du Super 98 sans plomb. Nous sommes en train de négocier avec la préfecture. Ici, tout le monde est évidemment sur le qui-vive. Nous craignons la grosse bêtise. René, fais pas le con ! Allez, fini de rigoler, notre rockstar est sorti de l'école et se dirige vers le musée Vézuna. Canal Moins a testé pour vous combien de fois on peut serrer la main de Sarko en 25 secondes. Attention, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Et de une. Et de deux. Attention, on sait pas. On en fait une. Attention au vélo. Voilà la troisième. C'est la troisième. On va essayer de faire la quatrième. Bonjour. Non, non. Vous avez déjà serré la main. Pardon, madame. Excusez-moi. Il m'a grillé. Je ne peux pas faire la quatrième. J'ai fait le droit à la quatrième. Non, même la troisième. Ah si, on en a fait trois, monsieur. Ah bah. Ouh là là, Canal Moins des types assez rigolos, dit le ministre de l'Éducation nationale. Mais où va-t-on, je vous le demande, où va-t-on? J'ai connu les classes où il y avait 40 élèves avant 68, où l'on entendait une mouche voler et les élèves buvaient nos paroles. J'ai connu l'après 68, où avec des classes de 35 ou de 30, il fallait faire la police. Donc. C'était mieux quand ça filait droit, moi je trouve aussi. Eh bien voilà, c'est tout. Monsieur Sarkozy? Ah non, on voit la cadavre. C'est quand la sortie de votre prochain album? La sortie de votre prochain album. C'est vrai? Cool. Donc on va avoir l'album dédicacé de Nicolas Sarkozy, c'est fou ça. Approchez mesdames, approchez messieurs, je vais vous montrer un tour merveilleux. Je jongle avec ces 8